Salut à tous, ici Ange Rouge, bienvenue pour la suite du Not So Very Challenge. Aujourd'hui c'est le jour de la loterie. Alors pour tout vous dire là, je viens de jouer en fait juste un peu avant, j'ai passé un jour. Parce que je me suis dit que sinon ça va l'être vraiment long avant qu'elle devienne adulte, ma petite Suzanne. Parce que là il me reste quand même encore 5 jours, donc ça fait beaucoup à filmer je trouve. Et puis voilà, j'ai envie d'accélérer un petit peu le mouvement, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais si de temps en temps je saute un jour ou deux, voilà, je pense pas que ça change énormément. Et voilà, donc là c'est ce que je viens de faire, elles ont passé un jour tout à fait banal juste avant. Et puis donc là c'est le jour de la loterie. Alors j'en ai profité aussi pour installer le chalet, le dernier chalet que je viens de faire à Granite Falls. Et je pense que... Qu'est-ce que c'est? Le chèque de pension de retraite de Scarlett est arrivé, ok. Oui, donc je disais, j'ai installé le chalet que je venais de faire à Granite Falls et j'ai installé le palace que j'ai fait aussi, qui se trouve à Del Sol Valley, pour compléter un petit peu ma ville, ma partie du Not So Very Challenge. Voilà, donc là, Scarlett est en train de dormir. Il est 7h40 du matin, toi tu vas pas tarder à aller à l'école, donc tu vas te réveiller. Si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, dans 15 minutes. Mais il est temps de se lever, hein, ma cocotte. Alors, tu fais quoi? Je suis super contente pour vos retours. Alors, je sais pas si, peut-être que vous n'avez pas suivi. Là, maintenant, ça y est, j'ai ma chaîne Twitch et j'ai fait mon premier live. Donc, je suis super contente. Je pense que bientôt, je ferai aussi un let's play en live. Bon, je dis bientôt, mais je sais pas quand. Je sais pas quand du tout. Là, j'ai juste commencé à créer, à faire une petite construction. Un mini chalet avec un petit jardin. Et ça y est, toi tu pars à l'école. Ok, bah pars à l'école. Et donc du coup j'ai juste testé ça pour le moment. Mais je suis contente, ça prend forme. Et puis voilà quoi, ça va me changer de parler avec vous directement. Et pas comme ça toute seule avec mon micro quoi. Ça va changer. Et je trouve ça vraiment trop trop chouette. Bon allez, pipi, bain. Et ensuite, donc je suis en train de regarder, c'est l'automne. Moi ouais, c'est le jour de la loterie, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je me rappelle même plus. Veillez à acheter votre ticket aujourd'hui par l'ordinateur. Non, non, merci, je veux pas y aller. Ok, donc on va acheter un billet de loterie quand même, on sait jamais. Hein. On sait jamais qu'on puisse acheter un palace. Oh purée, mais alors là, je crois que ce serait vraiment le pompon, quoi. Si elle gagnait un truc comme ça et que je pourrais acheter un grand palace, une construction que j'ai faite déjà. Alors, acheter un ticket de loterie sans... Oh punaise, oui, je dois payer les factures 4300. Allez, déjà, tu vas acheter ça. Et puis, ensuite... ah, j'adore son fond d'écran avec la mer et tout, loin, là, c'est trop bien. Ouais, allez, bonne chance, hein. C'est quand le tirage? Donc, du coup, demain matin. Ok. Bon, bah, Scarlett, maintenant, elle est âgée, hein, donc il n'y a plus spécialement de choses à faire. Si, dans le Not So Very Challenge, il y a des trucs à chercher, la collection d'éléments et tout. Bon, ça, je pense que je vais même pas le faire parce que ça me... Pff, voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse forcément à faire. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu vas pas nettoyer en bas? On sait pas, hein. Qu'est-ce que c'est? Fête des récoltes. Oh, mais non, j'ai pas trop spécialement envie non plus. Commence demain. Fête des récoltes, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, non mais tu vois pas que je suis à l'école? Tranquille. Je vais téléphoner à Rowan. Dans la salle de bain, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle peut téléphoner en allant ailleurs? Viens par ici. T'es pas multitâche? Non, elle est obligée de raccrocher. Elle peut pas... C'est vrai qu'ils peuvent pas... Ils peuvent pas marcher en téléphonant. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Non, 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 non. Tu commences pas à aller me prendre un verre d'eau. Déjà. Ça, il en est hors de question. Je pense qu'elle va continuer de jouer. Et mince, c'est vrai que j'ai oublié ça. Bon, d'abord, on va payer. Allez, donc maintenant, tu vas payer. Voilà. Il était trop au milieu des plantes. Apparemment, ça ne marchait pas. Donc c'est bon, l'électricité est revenue. Plenosas m'a remis l'électricité, c'est cool. Tu vas aller déjeuner un chili végétarien. Que je commence pas à te filer de la viande. Ah mais ça, c'est ça, c'est ça les biscuits pour animaux. Non mais non. Voilà, elle est en train de manger. Je pense que...
que ben, Suzanne, elle va pas tarder après à rentrer. Il me semble qu'elle avait un projet à faire aussi. Je sais plus. Faudrait que je regarde. Devoir terminer, atteindre le niveau 3. Ok. Et elle, on nettoie en haut, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ah ben voilà, ces notes, elles sont en hausse. Mais c'est quoi cette tenue là, ma cocotte? T'as pété un... T'as pas pété un boulon, quoi? Sérieusement? Voilà, c'est mieux. Allez hop, on va jouer. On va se calmer un peu. J'aimerais bien, on empêche les amener dans le chalet que j'ai fait bah, du coup il n'y a pas longtemps là. Les amener à Granite Falls, mais on est en automne en fait. Je pense que j'irai faire un petit tour en hiver. Quand ce sera l'hiver, donc c'est pas encore pour tout de suite. Mais c'est vrai que j'aimerais bien. Quoique en automne, ça peut être pas mal aussi, je sais pas, hein, je vais voir. Peut-être que le week-end qui va arriver. Là on est mercredi. Bon ouais, donc ce sera pas pour cette partie-là, peut-être pour la suivante. J'aimerais bien y aller. Bon, elle discute avec sa mère, c'est bien. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me prends un verre d'eau. Oh, mais j'aimerais trop qu'elle gagne à la loterie. Oh, mais alors là, je crois que si vraiment, s'il gagne, si elle gagne, ça, franchement, ce serait trop, trop cool. Ce serait trop cool. Mais bon, j'y crois pas trop, hein. J'ai déjà eu de la chance dans mon let's play avec Henri et Julia avec la faucheuse. Mais donc là, ça m'étonnerait. Je veux dire, tu peux discuter avec ta mère, mais non, elle préfère chanter. Ah, c'est vrai qu'elle a l'autographe. On va l'accrocher, l'autographe. Allez hop, on va le mettre à l'entrée. Waouh, trop classe. Trop classe. Tu vas faire... oui, ok. Mais bah après, tu vas faire tes devoirs. Hein. Alors, tu vas aller faire où tes devoirs? Dans ta chambre. Bonne idée. Toi, tu vas l'aider à faire ses devoirs. Si tu arrives. Ici. Pas certain. Ah si, ça va. Allez, tu l'aides à faire tes devoirs. Oh, puis elle a la dalle en fait. Je vais la faire cuisiner comme ça, au moins elle va aussi apprendre à cuisiner. Devoir terminé. Allez, c'est bon, maintenant tu peux y aller. Alors viens ici. Tu vas manger. Tu vas servir le dîner et on va dire sandwich au fromage fondu. Comme ça au moins Scarlett, elle peut aussi en manger. Parce que comme elle est végétarienne. Ouais, bravo. Ok, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger à côté de sa maman. Oh, elles sont mignonnes. Toi, bah tu vas t'asseoir ici quand même. Pendant que je faisais ma petite journée, là aussi, oui, dans la nuit, j'ai vu Luna qui est venue en fantôme. Parce qu'elle est venue manger ses croquettes. Eh ben bravo. Tiens, mais au moins tu peux réparer. Allez. Bon, tant pis, hein, pour ton projet scolaire, on verra ça une autre fois. Hein. 22h36. Après, tu vas aller dormir. Bon, toi, tu dors. Ok. Allez, on répare, on dort. Bon, ça y est, c'est la fête des récoltes. Le chèque est arrivé. Ok. Suzanne vient de faire la connaissance de Luna. Ok. Tu la connaissais pas, ta chienne? Oh. Ok. Calmer le gnome. Allez, on va tester quand même. On va lui donner de la tarte. Viens ici. Ah, il est content! Cool. Bon. Ils sont passés où les autres? Il y en a un là. Calmer le gnome. Donner un jouet. Non. Donner de... du cake aux fruits. Est-ce que les gnomes ils aiment le cake aux fruits? Ah mais tu fais quoi? Ah mais non, il a disparu. Ils sont allés je sais pas où. Ils sont là. Donner du cake aux fruits, j'ai dit. Oh, la tête! Il est pas content, hein. T'es content ou pas? Ah non, il est pas content du tout. Super, merci. Allez, il faut faire quoi? Implorer le pardon? Quoi, elle est malade? Oh merde! Oh la pauvre! Ah non, mais non, mais me la tuez pas, hein! J'en ai besoin, moi! Me la tuez pas! Tiens, va aux toilettes. Calmer le gnome. Donner de la salade. Il aime pas le cake aux fruits.
Le cake aux fruits, y a personne qui l'aime en fait. Non, il n'est pas content non plus. Mais comment on fait pour les calmer? Je ne sais pas. Implorer le pardon, non, ça va pas. Écoute, ouais, tiens. Voilà, va-t'en. Ah, ils sont pas contents du tout. On peut leur donner des coups de pied encore? Tiens, va te défouler. Saleté de gnome. Tiens, ouvrir le sachet. On va prendre ça. On va chercher des pièces. Ça t'apprendra à rester là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Plutonium. Super. Ah, super. Ok, bon, mettre dans l'inventaire. On s'en fiche ça pour le moment aussi. Ah non, mais ils sont encore là? Mais allez-vous-en! Laissez-moi tranquille! Mais. Va-t'en! Tiens! Ah non, mais non, mais non, mais. Elle se défoule! Charge des pièces. Elle se défoule. Ah, voyez un bijoutier! Oh, mais oui! Tiens! On va faire ça. Ah non, mais on a perdu à la loterie. Dommage. Tant pis, tant pis. Bon. Ça aurait été trop beau, hein, franchement. Ça aurait été vraiment trop beau. Oh, ce bazar. Au secours. Ah, le bazar qu'il y a de partout, quoi. Tiens, viens ici, toi. Paf. Tiens, cherche des pièces. Oui, on va jeter tout ça, quand même. Allez hop. Toi aussi tu vas aider hein. Tu vas aider. Allez. Ah ben non mais ça va. Il y a sa maman qui lui fait tout. Oh c'est mignon. On peut profiter pour manger encore un petit peu. Et c'est bon. Ça suffit. Maintenant tu nettoies. Et tu vas réparer aussi. Pendant que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'ils m'ont mis encore des trucs partout là? Non, ça va. Hein. Ça va. Alors, Suzanne. Ah non, mais ils m'ont cassé aussi la télé? Non, mais la télé, par contre, tu vas pas la réparer parce que je pense que toi, tu vas me faire n'importe quoi. Réparation d'expert. Tiens, voilà. On va faire ça. C'est plus prudent. J'ai pas envie qu'elle me... Qu'elle me grille encore ma petite Suzanne. Qui galère. Qui galère à réparer le l'évier. Elle a déjà terminé alors qu'elle elle galère depuis tout à l'heure. Donne-lui des astuces de réparation là. Tu peux? Donner des astuces de réparation. Donne, donne les astuces de réparation. Tiens, elle est romantique. Ça me fait penser qu'elle connaît Karl. Mehdi, mais lui il est adulte. Toi t'es jeune adulte, toi tu es jeune adulte. Oui c'est vrai, Louis. En ado il n'y a pas grand monde. Hein. Y a même, on peut dire personne. Si, il y en a un. Karl, allez. Tiens, je vais inviter Karl. On va voir à quoi il ressemble Karl. Karl c'est un enfant d'une de mes familles. On va voir. On va voir, pas dit qu'il soit très bien, on verra. Salut! Présentation amicale. Dag dag! Oh bah, ouais, ça peut aller quoi, c'est. Y'a pire. Y'a pire, comme Sim. Être reconnaissante. Bon bah tiens, vas-y, être reconnaissante alors. Oh, mouche beps. Racontez une légende urbaine. Parler du temps venteux. Le gars, il vient à la maison et toi, tu lui parles du vent, quoi. Normal. Ah ben voilà, une bonne idée. Tiens, joue avec Karl. Très bien, très bonne idée. Ça remonte sa barre de social et de divertissement. Et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Alors nous, on en est où? Toi tu fais quoi toi? Tu manges? Ok.
J'aime bien cette petite maison, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Récolter avocat. Ah bah ouais, tiens, tout récolter. Qu'est-ce qu'on est là, jeudi? Ouais, on est jeudi. Ouais, on peut pas se baigner, quoi. Ça fait... Elle va avoir froid. Je sais pas si elle va... Elle va avoir froid ou pas. J'aime bien tester des trucs, quand même. Bon, on n'est pas en hiver, hein. Elle peut peut-être nager un peu. À la fraîche. Non, à la fraîche, ça va, ça lui fait rien, en fait. Les Sims peuvent se baigner en automne. Là-bas, je vois un extraterrestre qui se balade, quoi, tranquille. Ok, toi, t'es qui? Star montante. D'accord. Transformé. Notoriété plus. On va tester. Un peu ou pas? Où tu vas? La fin de Scarlett est proche? Comment ça, la fin de Scarlett est proche? Tu te fiches de moi? Elle vient juste d'être vieille? Du coup, bon, rentre à la maison. Rentre à la maison, c'est pas grave. Oui, t'as froid en plus, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, habille-toi. Déjà, tu vas t'habiller. Et ensuite, non. Oui. Voilà. Et ensuite, tu rentres à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, d'abord, tu vas tout récolter. T'en récoltes tout, récolte. Voilà. Et maintenant, tu peux rentrer. Ah non, mais j'espère qu'elle va pas mourir de suite, là. J'ai ma petite, elle est encore ado. J'en ai marre de tous ces gens qui meurent. Ça suffit, là, maintenant, hein, de mourir. Alors, je sais pas, quand il y a marqué la fin est proche, combien de temps ça dure. Je ne sais pas du tout. Allez, ça suffit. Arrête de manger, toi, aussi. Voyons voir. On est jeudi. T'as pas fait tes devoirs, bien sûr. Bah non. Ah, si. Ah, t'as fait tes devoirs. Magnifique. Placé dans le monde. Tiens, on va faire ça. Ouais, elle le met en plein milieu. D'accord. Allez, commencez. Travailler soigneusement, quand même. Et où elle est, ta mère? Viens l'aider. Voilà. Aider pour le projet. Bon, la fête des récoltes, hein, on s'en fout un peu. Hein. Aider pour le projet. Ça, c'est long un peu à faire. Bon, j'espère que Scarlett, quand même, elle va pas mourir avant la fin de la semaine, parce que j'aimerais bien l'emmener dans le chalet. Donc, ce serait bien cool si tu mourrais... si tu mourrais pas avant, quoi. Ah, bah, c'est bien, ça lui montre sa logique aussi. J'avais zappé ce truc. Ah, bah, ça y est, c'est bientôt fini. Super. Ah, c'est mignon. Ouais, je pense que je vais faire ça. En fait, je vais les envoyer direct dans le chalet. En fait, elle va aller à l'école, Suzanne, et comme c'est vendredi, ben, ils vont partir... ils partiront juste après l'école, en fait, après cet après-midi. Enfin, cet après-midi, je m'entends. Vous avez compris. Allez, donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi t'es triste, hein? Jour de férié épouvantable. Mais on s'en fout. On s'en fiche du jour férié. C'est pas grave. Je pense que Suzanne aussi, elle va avoir des bonnes notes. Elle va avoir une bonne note vu qu'on a terminé son projet. Allez, le bain, c'est terminé. Social, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Social, Laurent Blanc. Ça m'éclatera toujours ce truc. Allez, on va parler à Rowan un peu. Et après, on va parler aussi à Déborah parce que ça fait longtemps, hein. On peut parler à la faucheuse aussi. Non mais on peut discuter avec la faucheuse, quoi. Si je discute avec la faucheuse et que je lui dis de venir un peu plus tard, est-ce que ça va marcher? Complètement surréaliste. Scarlett qui est triste et qui parle à la faucheuse, quoi. Complètement surréaliste. Bon, tu vas faire quoi? Tu vas manger, d'accord. Allez, après vous allez vous préparer, on va partir voir un petit peu le chalet ce week-end. Là, c'est bientôt l'hiver, d'ailleurs. Hein. Bon, je suis pas sûre qu'il y ait de la neige, là-bas. Hein. Pourtant, il n'y aura même pas de neige, en fait. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien voir aussi en hiver commencer. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu que sous la neige. On débarrasse. Et puis... Mais... Oh, c'est pas possible. Il faut toujours qu'elle aille. Oh, mais c'est bien crade ici. Hein. Nettoie ça. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un... Un tableau.
On va mettre ça où? On va mettre ça là. Allez. On va mettre ça là et on va encadrer la toile. Et en attendant, toile triste. On va faire une toile triste. En attendant que Suzanne arrive. À chaque fois, je cherche le nom. Suzanne, Rowan, Déborah, je me rappelle jamais. Il est beau celui-là aussi, hein, bien. Pourquoi je l'ai pas encadré? C'est ça ta toile triste? Tu te fiches de moi? Ouais, apparemment, ouais, elle se fiche de moi. Elle vient de ricaner. Tu te fiches de moi? Ouais! Commence le week-end avec un A. Ben, c'est magnifique. Bon! T'as fait une magnifique toile triste. Non, 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 on va y aller donc du coup. Pourquoi t'es pas contente toi? Mais t'es enragée? Nestor Poiscaille se demande si je veux venir chez lui. Tu te fiches de moi. Il est mort. Nestor. Allez, enragé quoi. Essayez de se calmer. Attends, mais non, mais tu, on va se calmer à la... En vacances. Allez, hop, on va partir en vacances. Donc, se déplacer, prendre des vacances. Oui, on va partir avec Suzanne. Oh, mais on va partir avec mes filles en fait. Oh, mais ça c'est une super idée. On va partir toutes les quatre, toutes les quatre. Ah, ça y est, on vient d'arriver. Et il pleut à Granite Falls. Il pleut. Alors, je vous montre un peu quand même. Oh, ça fait tellement bizarre de le voir sans neige. Mais il y a plein de feuilles mortes et tout. Bon, on est... Oh, mais non, mais elle est toujours en train de râler, quoi. Suzanne, elle est en train de râler. Alors c'est un petit chalet que j'ai pensé pour être sous la neige quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Allez déjà. Oh elle arrive, elle fait un feu. C'est trop mignon, s'y croirait trop. C'est génial. Bon, il y a une petite cuisine ici. On rentre par là. Il y a une petite cuisine. Il y a un petit coin salon par là aussi. Alors je vais me mettre comme ça parce que sinon on n'y voit rien avec les trucs. Voilà, commencer en fait. Et là, sur la droite, il y a une petite salle d'eau. Et puis, à l'étage, hop, voilà, elle rentre par là. Là, il y a les deux chambres. Hop, on va faire comme ça. Les deux chambres, et puis une petite salle de bain, et un balcon par là. Et un balcon par là. Donc là, si je monte, voilà, en fait, les balcons... Enfin, vous voyez, là, il y a les petits corbeaux, mais il y a le toit juste au-dessus, quoi. C'est abrité. Bonjour, les amis, je suis Tetsu, votre gentil garde forestier. Je sais un tas de choses sur le camping, alors si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir. On n'est pas vraiment en camping, hein, mon coco, mais ok. Alors, attends, on va dire bonjour, quand même. Fais voir à quoi il ressemble, Tetsu. Peut-être sous. Oh, mais il a l'air gentil. Salut. Invité à entrer. Quand tu veux. Hein. Ah, mais elle était déjà dehors. Salut. Alors, fais voir. Oh, mais dis donc, t'as l'air content. Hein. Présentation amicale. Sosun. Salut. Salut. Alors... Discuter des centres d'intérêt. Salut, on adore le camping. On adore Granite Falls, on aurait bien aimé qu'il neige, mais bon, tant pis, c'est pas grave. En même temps, c'est l'automne, hein. Il neige pas forcément en automne. Et le gars, il monte, quoi, tranquille. Qu'est-ce que tu vas vérifier en haut? Ah non, mais il va jouer à l'ordi, quoi. Tranquille, le gars. Il arrive, il joue à l'ordi. Donc ouais, pour dormir, en fait, il y a un lit, deux places et deux lits, une place. Ouais, ça suffira largement. Alors, j'ai placé des parapluies, hein, du coup, j'ai bien fait, en fait. Il y a une douche en bas, donc c'est bien. Hein. C'est assez sympa pour une famille de 4 personnes. Alors, toi, tu es toujours en train de râler, toi, tu es dans ta douche. D'accord, ok. Ensuite, bah, tu vas me préparer à manger pour tout le monde. Il y en a qui se sont déjà servis à manger, quoi. Bon, je pense que tu vas te préparer à manger juste pour toi, puisque les autres se servent tranquille, quoi. Ah, ça me fait bizarre d'avoir les sœurs aussi en même temps. Enragées, quoi, carrément, quoi.
Mais du coup, elle a envie de manger un bol de céréales. Bon, remarque. Allez, vas-y, mange ton bol de céréales, écoute. Scarlett, elle est en train de... Elle veut discuter avec le garde forestier. Mais voilà, t'as qu'à jouer avec lui. Tiens, rejoins la partie. Voilà. Ah, elle a l'air de bien s'entendre avec lui, hein, c'est cool. Et l'autre, elle va nettoyer les trucs en haut en râlant. Suzanne. N'importe quoi. Si t'allais un peu discuter avec tes sœurs, t'es contente quand même de voir tes... non mais... Condamner l'amitié, oui bien sûr. Alors, amicale, conversation intime profonde. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et sa sœur, la tête qu'elle fait, elle fait... je crois qu'on va pas... On va pas l'embêter plus... on va pas l'embêter un peu plus, hein. Non, je sais pas comment il faut faire pour la calmer. Peut-être sur un miroir. Se défouler sur un miroir. Discuter avec Scarlett. Mais non, elle est occupée, Scarlett, laisse-la tranquille. Tiens. S'entraîner, notoriété plus. Ouais, bon, si tu veux. Arrête de râler. A acquis la compétence guitare. C'est mal barré. Ah non, mais l'autre, elle lui donne des sous, quoi. N'importe quoi. Mais non, mais non. Mais sa sœur, elle lui donne des sous, quoi. J'y crois pas. Là, donc, elle gagne en notoriété directe. Tu te fiches de moi? C'est où déjà? Je sais plus où c'est. Point de notoriété, c'est là-haut. N'importe quoi. Là, on dit que la musique adoucit les mœurs. Mœurs, pardon. Les mœurs. Bon, allez, arrête-toi. Tu vas nettoyer, ça va te calmer. Et d'ailleurs, il y a un miroir ici. Tu vas aller... viens. Tu vas aller te calmer. Essayez de se calmer. Voilà. 22h. Ok, bah toi, tu vas dormir ici. Ah mais non. J'ai zappé que je pouvais pas la contrôler. Où tu vas? Ouais, tu vas dormir là. Tu vas dormir là? Ok, c'est bon. Bon, ben nous, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et puis, ben, on verra la suite de leur petit week-end. J'espère que ma petite Suzanne, elle va être de meilleure humeur. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye!